Aledia veut ramener en Europe la production d'écrans de prochaine génération, qui est un des grands marchés du futur. Aujourd'hui, c'est 120 milliards par an. Il y a une rupture technologique. Avec les nouvelles générations, Aledia espère être parmi les premiers acteurs sur ce marché et faire tout, des grands écrans de télé jusqu'aux prochaines lunettes de réalité augmentée qui vont venir dans 3 ou 4 ans. BPI France et le Conseil européen de l'innovation ont investi dans un moment critique pour Aledia. Nous, on fait un grand pari, celui de ramener les écrans en Europe. Ça nécessite beaucoup d'argent. Il y a les venture capitalistes qui investissent tôt dans le cycle. Il y a des autres acteurs qui investissent une fois qu'on a du chiffre d'affaires. Mais entre les deux, c'est un moment très délicat. Et les investissements qui ont été faits nous ont permis de garder une grande vitesse pendant cette période intermédiaire. Les dernières années, BPI France a été vraiment partout pour Aledia, une vraie machine de guerre. Évidemment, ils nous ont aidés, ils ont investi dans Aledia à travers deux fonds différents. Ils nous ont aidés avec les banques, ils nous ont aidés pour le recrutement, ils nous ont aidés pour établir notre première usine, ils nous ont aidés à obtenir un PGE. Donc on a vraiment pu utiliser toute la panoplie de services que BPI France emmène. Ce modèle intégré de BPI France nous a vraiment permis de garder notre vitesse de croisière.